Allons, on commence. Bezrat Hashem, Bessiat Tadishmaya, le cinquième Perek. Daf Nun Chet Amoud Alef. Shior Yisrael, Yerfua Shlema, Simcha Bat Denis Rachel, David Chaim Ben Atou, Gabriel Ben Batia, Shulamit Bat Esther et Jemol Bat Simcha Betor Shah Cholam Israël, Shmuel Yosef Ben Léa. Julia Simcha. Betor Shah Cholam Israël. Alors, comme je vous ai dit hier, dans les Géonim, il y a marqué qu'il y a Masechet Peser Rishon. C'est celle qu'on a fini pratiquement hier, puisqu'il nous manque encore le deuxième Perek. Et là, on commence Masechet Pesach Sheni. Non, parce que ça va parler du Pesach Sheni, qui était le rattrapage du Korban Pesach, celui qui était tamé ou qui n'était pas présent au Beth Amikdash la veille de Pesach. Alors, il avait un mois plus tard la possibilité de se rattraper. Mais parce qu'on va parler que du Korban Pesach maintenant. Tamid Nishrat. Alors, il faut savoir que au Beth Amikdash, tous les jours, d'accord, il y avait le Tamid Shel Shachar et Tamid Shel Ben Arbaïm. Maintenant, à quelle heure on fait le Tamid et à quelle heure on va faire le Korban Pessah? D'accord? C'est important. Pourquoi? Parce que si, par exemple, ça tombe Erev Shabbat, on n'a pas beaucoup de temps. Alors là, Mishnah nous dit, Tamid Nishrat Bishmoné Omerza. Normalement, le Zman de Tamid Shel Ben Arbaïm, c'est 8h30. Ça veut dire quoi, c'est 8h30? Ça veut dire 2h30 après Chatzot. Chatzot, c'est la 6e heure. 2h30 après Chatzot, c'est le Zman du Tamid Shel Ben Arbaïm. Vekarev Betisha Omerza, il sera donc brûlé, puisque le Tamid, c'est Korban Ola, il sera brûlé dans sa totalité à la 9e heure et demie. C'est-à-dire que ça prend une heure en tout et pour faire ce Korban Tamid. Temps de faire la Shrita, la Kabbalat Adam, la Olacha, la Zrika, le dépeçage de la bête, le découpement des Evarim, la séparation des Imurim, la présentation, ils étaient en file indienne, les Kohanim, ils portaient sur des plateaux toutes les parties du Korban et ils montaient, selon un ordre bien précis, sur le Mizbéar et ils mettaient les Evarim sur le Mizbéar. Ça prend une heure. Donc tu commences à 8h30, tu finis, il est 9h30. Vous imaginez bien que si on fait comme ça RF Pessah, s'il est 9h30, il reste plus que 3h30 pour faire le Korban Pessah, ça va être un peu juste. BRV Psachim, c'est la raison pour laquelle RF Pessah, Nishrat Besheva Omerza, on le faisait la Shrita à 7h30, donc on décale tout d'une heure, Vekarev Beshmoné Omerza. Ben Bechol, Ben Beshabbat, que ça soit au milieu de la semaine ou que ça soit Shabbat RF Pessah, pareil. À quelle heure on fait le Tamid? 7h30. À quelle heure on fait le Pessah? 8h30. Chal Erev Pessah Eliot Berev Shabbat. Là, c'est le maximum. Nishrat Beshesh Umerza. C'est-à-dire que c'est le minimum, pardon, pas le maximum, mais le minimum à laquelle on peut faire la Shrita du Tamid, c'est 6h30. Parce que même si Behemet Chatzot, c'est 6h, alors on va voir qu'on ne peut pas commencer le Tamid avant la 6h30. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire Mincha d'ailleurs, hein, à partir de 6h30. Parce que la tfilat mincha, c'est Keneged Tamid Shel Ben Arbaïm. Étant donné qu'à 6h, ben, le soleil il est au milieu. Et donc, pour ne pas se tromper, c'est à partir de 6h30. Donc, si c'est un jour normal de la semaine, que ce n'est pas Erev Pessah, 8h30. Si c'est Erev Pessah, 7h30. Et que ce soit Chol ou Shabbat. Si c'est Erev Pessah qui tombe Erev Shabbat. Et donc là, non seulement il faut se préparer, mais il faut le faire cuire. C'est-à-dire que si Behemet c'est Shabbat, le soir, c'est Pessah. Je peux faire cuire mon Korban Pessah. C'est Yom Tov. Mais si c'est Erev Shabbat, le soir c'est Shabbat. Je ne peux plus le faire cuire non plus. Donc il faut encore une heure de plus. Donc c'est Tamid à 6h30, Korban Pessah à 7h30. Vekarev Besheva Omerza, Vea Pessah Acharav. On verra qu'il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait avec les Atavat Anerot, de rallumer la menorah et de la Ketoret. Parce qu'il y avait aussi la Ketoret à l'après-midi. Est-ce que c'est avant le Korban Pessah ou c'est après le Korban Pessah? Mashayé, ça sera après le Tamid. Mais il y a une marloquette, est-ce que c'est entre le Tamid et le Pessah ou c'est après le Korban Pessah? Minan Emile, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on apprend que le Tamid chez le Ben Arbaïm, c'est 8h30? Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, d'Amarkra, et à Kevesecha, tassé baboker, veet, à Kevesacheni, tassé Ben Arbaïm. Maintenant, le fait qu'il marquait Ben Arbaïm, d'après Rashi, Ben Arbaïm, Mishesh Shaot Ulmaala, c'est-à-dire Ben Arbaïm, c'est
à partir de la sixième heure. Chez Atzel noté Karinan Ben Arbaim, que l'ombre commence à basculer, on appelle ça Ben Arbaim. Je lis Rashi, va velé limirtav ba'erev. La Torah aurait dû dire ba'erev, pourquoi Ben Arbaim? Vechelane et bediboure, on a changé le dibour, vekatav Ben Arbaim les dracha. On a fait une dracha, chalouk a'erev les shne chalakim. Tu prends l'après-midi, combien elle fait d'heures l'après-midi? 6. Tu la coupes en deux, 3 et 3. Au milieu, tu fais le korban pesach, le tamid. Chalouk a'erev les shne chalakim, shtesha otomertza les kan. Kodem l'asiato, veshtesha otomertza les kan, l'achar asiato. Combien c'est l'asia du tamid? Une heure. Le Orzarwa, il dit il faut qu'il y ait un petit peu de rêve avant, un petit peu de rêve après. Donc en deux mots, le rêve, l'après-midi, je le coupe en deux, 3h et 3h. Et au milieu, j'intercale à cheval le tamid. Donc ça fait 2h30 d'un côté, 2h30 de l'autre. Et au milieu, j'ai une heure. Ça fait 6h en tout. Chalkou le ben, shne arbaïm, on est mechalek entre en deux parties. Shtesha otomer salekan, shtesha otomer salekan, vesha achat le asiato, une heure pour la. La Asiya du Tamid. Donc en deux mots, si je pars de 6 heures et je compte 2 heures et demie, je suis à la 8e heure et demie. C'est exactement ce qui a marqué dans la Mishnah. Clair ? Ça, c'est l'heure normale du Tamid. Metivra va, Rava, il dit, mais si c'est un dîne de la Torah, comment tu fais pour le bouger ? Si Bémet, c'est marqué dans la Torah Ben Arbaïm, 8 heures et demie, comment tu le bouges ? Il rêve Pessar, le Mshané, c'est le dîne de la Torah. Tu te débrouilles, j'en sais rien, tu fais Superman. Mais je sais. Tu as un problème technique, mais c'est vrai, mais c'est le din de la Torah, tu comprends la question? Mais tu vois, va. Barve psachim nishrat besheva o merza. Quand c'est Rev Pessah, on fait la shrita 7h30. Vekarev beshmon o merza. Ben bechol ben beshabbat. Visal kadatach beshmon o merza de oraita. Si 8h30 c'est de oraita, eche magdinanle. Comment tu vas être magdimoto? Arrive un chemin qu'il faut toujours qu'il y ait 2h30 avant, 2h30 après, il faut qu'il soit au milieu. Et toi, Bémet, tu l'as décalé, donc tu as été mevatel le din de la Torah. Alors, Inachinami, le Yerushalmi, il répond, et il dit, Nachon, il y a marqué aussi Ben Arbaïm à Pessah. Donc, il y a marqué Ben Arbaïm, Tamichel, Shachar, Tamichel et Ben Arbaïm. Il y a marqué Ben Arbaïm sur le Coran de Pessah. Maintenant, si je vais selon un clave qui s'appelle Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem, le plus fréquent, c'est lequel? C'est le Coran de Pessah ou le Coran de Tamid? Tamid. Mais le problème, c'est qu'alors, jamais je pourrais être Mekayem, le Ben Arbaïm du Coran de Pessah. Alors, à cause de ça, étant donné que le Tamid, Shel Ben Arbaim, je suis Mekayem tous les jours, 8h30, alors je décale, comme ça il répond le Yerushalmi, pour être Mekayem au moins ce que la Torah t'a demandé pour le Kohan Pessah. Parce que si pour le Kohan Pessah je ne le fais pas, je ne le fais jamais. Alors que le Tamid, Shel Ben Arbaim, je le fais au moins tous les jours. Néanmoins, Rava, il répond autre chose. Et là, Marava, Mitzvato, de Tamid, Mishinatu, Tzlale, Arev. Lui, Bémet, Rava, il dit, tu sais à partir de quand c'est la Mitzvah du Tamid? C'est pas 8h30. Lokatou batora 8h30. C'est 6h30. 6h30, c'est le Zman. Zéazman shel mincha. Zéazman shel tamid shel ben arbaim. Maïtama de amakra. D'où est-ce que tu sais? Parce qu'il y a marqué dans la Torah ben arbaim. Mazé ben arbaim. Mais idna, c'est au moment des matril shimcha le ma'arav. Au moment où le soleil commence à passer à l'ouest. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Dès qu'il bascule dans la partie ouest du ciel, Zaznikra Ben Arbaim. À quelle heure il bascule? À 6h30. Il y en a qui veulent même dire que, ouais, que entre. C'est-à-dire qu'il y a Choliad, qu'il y a un moment, il y a une heure dans la journée où il est pile au milieu. Donc il n'a pas encore basculé. À quelle heure il bascule? 6h30. Donc il te dit, Rava, Ben Arbaim, c'est 6h30. Alors pourquoi on ne fait pas 6h30? Zrizin, Magdim et les Mitzvot. Si c'est le moment, fais-le vite. Non. On verra. La Gemara nous dit, il car, Béchar Yemot Hashana, le reste de l'année, des Ikan et Darim Oned Davot. Tous les jours de l'année, les gens, ils amènent leurs korbanot. Il y avait la queue au Beth Amikdash. Il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de korbanot qui étaient faits tous les jours. Hein? Réhouven, il a fait un Eder, il a fait une Nedava, il voulait faire un korban. Ils sont de passage à Yerushalayim, Shlamim. Ils veulent manger, les grillades. On ne va pas acheter chez le boucher les grillades. On fait un korban. Tu manges Bassar Kodesh. On ne mange pas Stam Bassar, on mange Bassar Kodesh. On fait une bracha. Bracha, c'est une mitzvah de manger les korbanot. Donc étant donné qu'ils étaient full toute l'année, alors on laisse le maximum de temps pour pouvoir écouler tous les korbanot des yechidim, des particuliers. Et à la fin, on fait le korban tamid. À quelle heure? 8h30. Mais Bémet, à partir de quelle heure c'était moutard? 6h30. 6h30. Achon? Derachman Amar, Aléa, Chalvé, Hachlamim. Que c'est sur le korban shel
Shachar, le Tamid Shel Shachar, qu'on va amener tous les Shlamim, va Marmar, allez Hachem Kol HaKorbanot Kulam. C'est sur eux, sur le Korban Shel Shachar, que tu vas être Machlin tous les Korbanot. Mais pas sur, sur celui de l'après-midi. Il n'y a pas de Korbanot après celui d'après-midi. Et ce pasouk, il est connu. Allez Hachem Kol HaKorbanot Kulam. Ça ne parle pas du Korban Shel Ben Arbaim. Aléa Hachlem Kola Korbanot Kulam, c'est sur le Shachar. Celui du matin, après celui du matin, tu fais tous les Korbanot. Et après celui d'après-midi, tu ne fais plus. Donc en deux mots, étant donné que je sais que celui d'après-midi sera le dernier, donc il faut que je le fasse le plus tard possible. C'est quoi? 8h30 pour que j'ai encore du temps de faire tout le reste derrière. Hein, parce qu'après, je n'ai plus de Korbanot, mais j'ai encore de la Avodah au Beit HaMikdash. Les Nérodes de la Menorah, la Ketoret, etc. Allez, Hachlem Kola Korbanot Kulam, mais Acherin les Tartel Shae, on va lui faire 2 heures de décalage, de 6h30 à 8h30. Vavinan les Beshmoné Omerza, on le fait à 8h30. Ou Berve Psachim, quand c'est Erev Pessah, alors on dit, il faut laisser aussi du temps pour Pessah. Et Behemet, on va voir qu'on apprend ça d'un pasouk, que Erev Pessah, le Korban de Pessah, il passe après Tamid. Normalement, le Tamid, c'est le dernier, pas Erev Pessah. Erev Pessah, il y a le Korban de Pessah qui passe en dernier. Berve Psachim, Deika Pessar Acharav, Kadminan Le Shaom Achat, on est Magdim de 1h, Vavinan Le Besheva Omerza, on fera donc à la 7h30. Chal Erev Pessar, Liot Erev Shabbat. Alors là, on le remet à son din. Deika Namit Sliato, Delo Dache Shabbat. Il faut non seulement faire le Korban Pessar, non seulement il y a des milliers de Korbanot à faire, mais en plus il faut le griller. Quand c'est Yom Tov le soir, tu peux le griller pendant Yom Tov, mais quand c'est Shabbat le soir, et c'est aussi Yom Tov, comment tu fais? Il faut le griller avant Shabbat. Donc, Minane a dîné. On va le mettre sur son dîne. C'est quoi le Ikaradine du Tamid? À quelle heure c'est? 6h30. Donc, on fait à 6h30 de façon à pouvoir faire son Korban Pessah 7h30. 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 même, on va dire. Hein, limite, 11h. On a 3 bonnes heures, 3-4 heures pour faire le Korban Pessah. Manger le Korban Pessah ou faire? Le manger, on le mange pendant la Haggadah. Tu savais pas? C'est la Ficoman. La Ficoman, c'est Zecher, le Korban Pessah. On mange le Korban Pessah à la fin du repas. On ne mange pas le Korban Pessah avant la nuit. Tanoura Banane. On va voir maintenant une marloquette très intéressante. Kisidur Bechol, Kar Sidur Shabbat. Le Seder qu'on avait en semaine, c'est le même Seder pour le Shabbat. De quoi on parle? Du Tamid. Ok. Donc, mais de quand on parle? C'est quoi Chol? C'est quoi Shabbat? C'est Pessah, c'est pas Pessah. On verra. Tanoura Banane, je vous lis les mots. Que Siduro Bechol, Kar Siduro Beshabbat. Comme on fait en semaine, l'heure de la semaine, c'est l'heure du Shabbat. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Que Siduro Berev Pessah. Rabbi Akiva, il dit le Shabbat, c'est comme Erev Pessah. Maïke Amar, de quoi il parle? Donc je répète. Rabbi Ishmael, il te dit le Shabbat, c'est comme la semaine. Rabbi Akiva, il te dit le Shabbat, c'est comme Erev Pessah. De quoi tu parles? On va voir sur ça trois déotes. Première déa, Abaye. Abar Abaye, Rikamar, Kessiduro Bechol, Berev à Pessah. De la manière qu'en semaine, Erev Pessah, à quelle heure on fait le Tamid? 7h30. Alors, comme ça, on fait aussi le Shabbat. À quelle heure? 7h30. Kar Siduro Beshabbat, Berev à Pessah, livré Rabbi Shmuel. C'est comme ça qu'elle nous a expliqué la Mishnah. Ben Bechol, Ben Beshabbat, on décale d'une heure le Korban Pessah. Le Tamid, pardon. Rabbi Akiva Omer, Kisidur Berev à Pessah, Shechal Yot Berev Shabbat. Lui, Rabbi Akiva, il dit non. Que le Shabbat, Shechal Erev Pessah, on fera à 6h30, comme quand c'est Erev Shabbat, Erev Pessah. Kar Sidur Beshabbat. Maintenant, dans notre Mishnah, il est marqué Ben Bechol Ben Beshabbat. À quelle heure on fait le Tamid quand c'est Shabbat? 7h30, c'est Rabbi Shmuel. Matnitin Dektane Ben Bechol Ben Beshabbat, Rabbi Shmuel. C'est clair? Donc je répète. Rabbi Shmuel te dit, Shabbat, c'est comme le Chol. Donc, en deux mots, on parle de quoi? On parle de Erev Pessah. Erev Pessah, quand c'est le Chol, c'est à 7h30 le Tamid. Shabbat, Erev Pessah, c'est à 7h30 aussi. Donc, la Mishnah, elle va d'après Rabbi Shmuel. Parce que d'après Rabbi Akiva, il te dit, le Shabbat, c'est comme Erev Pessah, Shechaliot, Be'erev Shabbat, à 6h30. C'est quoi la marloquette? La Mishnah, déjà, elle ne va pas comme Rabbi Akiva, elle va comme Rabbi Shmuel. Mais c'est quoi la marloquette? Pourquoi il dit ça Rabbi Akiva? Be'emaï Kamifligé. En quoi ils sont en marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel? Be'moussafin, Kodin et Bazichin. Il y a le Shabbat, un Korban supplémentaire qui est Korban Moussaf. À quelle heure on fait le Korban Moussaf? 6 heures. À 6e heure, c'est le Zman de Korban Moussaf. Ok. Maintenant, à part ça,
le Shabbat, il y a aussi les Bazikhin. Mais les Bazikhin, tu sais c'est quoi? Sur le Shulchan Azahav, il y avait deux petits gobelets, deux petits pots, dans lesquels il y avait de la Levona. La Levona, c'est une sorte d'encens, la Levona. Cette Levona, on la prenait et on l'a brûlée sur le Mizbeach, à Chitson. C'est ça qui permettait de pouvoir manger le pain. Donc, on enlève le pain qui a passé la semaine sur le Shulchan, Shabbat. On met un nouveau pain qui a été cuit la veille. On enlève la Levona, on met une nouvelle Levona. Et cette ancienne Levona qui était avec le pain, c'est elle qui va nous permettre de manger le pain. On l'a fait quand cette Levona? Avant ou après le Korban Moussaf? Bezenechleku. Be Moussafin, kod mi bazichin, kam ifeye soir marloket. Est-ce que les Moussafim, ils passent avant les bazichin ou est-ce que les bazichin, ils passent avant les Moussafim? Rabbi Shmuel Savar, Moussafin, kod mi bazichin. Rabbi Shmuel, il dit le Moussaf, c'est avant les bazichin. Et donc, si je dois faire le Korban Moussaf à 6 heures, je le finis à 7 heures. À 7 heures, je fais les bazichin. Donc, je suis obligé d'attendre au moins 7h30 pour pouvoir faire le Korban, Tamid. Et donc, c'est comme la semaine. Shabbat, comme le Chol. Avadlehu le Moussafin Bechesh, Bazichin Becheva, Vavile le Tamid Becheva Omerza. Shabbat, Erev Pesach, comme quand c'est Erev Pesach Bechol. 7h30. La Mishnah, elle va comme Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva, lui, il pense que non. Rabbi Akiva, savoir Bazichin comme les Moussafin. Les Bazichin, ils passent avant. D'abord, on fait les Bazichin. Ah! Et alors, tu sais que finalement, quand j'arrive à 6 heures, j'ai déjà fait les bazichin. Nifla. Bazichin bechamesh, Moussafin bechesh, Vavile le Tamid bechesh umerza. Je peux récupérer, même si, je peux prendre la première heure du Korban Tamid, c'est-à-dire 6h30. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il pense que les bazichin, on le fait avant le Moussaf. Derrière Chagav, j'ouvre une parenthèse très intéressante, que c'est marqué dans le Magan Avraham, que le Shabbat, on doit faire Moussaf à la 6e heure, à Chatzot. Comme c'est Dieu le Magan Avraham. Il veut expliquer par là le minag de prier le Shabbat plus tard que la semaine. Il y en a qui font la Khumra. Ils prient très très tard. D'accord? Problème, c'est le Zman Kriyat Shema. Alors, Behemet. Kriyat Shema avant, mais tu fais pas la mitzvah qui est tikkuna, étant donné que tu n'as pas fait les brachot sur le Kriyat Shema quand tu ne le fais pas pendant la tefila. Mais le Magan Avraham, il prend le din ici. Mais pour, comme ça c'est marqué dans le Sefer Shaharit Tzedek et dans d'autres Sfarim encore, il dit que le minag en Europe, c'était de faire Shacharit avec le Kriyat Shema, repas, il retourne à la choule, Kriyat HaTorah et Moussaf, pour faire Moussaf à la 6e heure. Mais ils disent que c'est Gorem Bilboul et que Bichlal, le Moussaf, il doit être collé à la tefila de Shacharit. Donc Zelotov, c'est pas bien de couper en deux la tefila comme ça. Donc c'est pour ça que les Maasé, on n'est pas Noeg comme le Magan Avraham, on est Noeg de faire Moussaf avant la 6e heure. Parce que même là, tout ce qu'on faisait Moussaf à la 6e heure, c'est pas parce que c'est le Zman de Moussaf. Le Zman de Moussaf, c'est déjà le matin. C'est juste qu'il faut pas faire Shacharit avant Moussaf. On fait pas le Tamid Shel Shachar avant de faire le Korban Moussaf. Mais néanmoins, le Zman de Moussaf, c'est déjà le matin. On le faisait à la 6e heure juste pour avoir le temps tranquille de faire toute la avoda. Voilà, on ne fait pas Moussaf avant Shacharit. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, je continue. Donc en deux mots, on a un premier pshat déjà dans la marque de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, qui est-ce que Rabbi Shmuel pense que le Shabbat et Erev Pessah, c'est comme un jour normal, c'est-à-dire que c'est à la 7e heure, parce que de toutes les façons, d'après lui, et on fait le Moussaf à 6h et après les Bazirin, donc je ne peux pas faire avant. Ou bien d'après Rabbi Akiva, le Shabbat, c'est comme Erev Shabbat, on fait à 6h30 parce que les Bazirin, je l'ai fait déjà plus tôt. Mat Kifla Rava. Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye. Mide Rabbi Akiva, Kesiduro Berev, Pesach Shechaliot Berev Shabbat Katane. Est-ce qu'il y a marqué dans les paroles de Rabbi Akiva que le Shabbat, c'est comme Erev Shabbat? Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que c'est comme Erev Pesach. Pas marqué Erev Shabbat, il y a marqué Erev Pesach. D'où tu me le sors ton Erev Shabbat? Bonne question de Rava. Kisidur Berava Pesach, Stama Katania, marqué comme Erev Pesach. Et là, Marava, Achika Amar. Kisidur Bechol, De Alma. Rabbi Shmuel, il te dit le Shabbat, Erev Pesach, tu fais comme toute l'année. C'est quoi l'horaire du Tamid toute l'année? 8h30. Ben, le Shabbat, Erev Pesach, tu fais 8h30. C'est tout. Tu fais 8h30. Pas besoin de faire trop tôt. Pourquoi? On va voir pourquoi. Sidoro be Shabbat, Berev à Pessar, dit Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Kesidoro Berev à Pessar. C'est quoi l'horaire de Erev Pessar en général? 7h30, et par le Shabbat, c'est pareil.
Donc finalement, la Mishnah qui nous dit que Ben Bechol Ben Beshabbat, c'est 7h30, c'est Rabbi Akiva et pas Rabbi Shmuel. Mais Maïka Mifege, pourquoi d'après Rabbi Shmuel c'est 8h30 et d'après Rabbi Akiva c'est 7h30? C'est quoi la marloquette? Bemachamer Bisra Kamifege. Est-ce qu'on est chochèche que la viande elle va pourrir ou pas? D'après Rabbi Shmuel, on est chochèche que la viande, étant donné que tu ne peux pas la cuire, c'est Shabbat, alors tu ne peux pas commencer à la faire cuire quand c'est Erev Yom Tov. Alors tu as le droit de commencer à faire cuire. Mais quand c'est Shabbat, rien du tout. Donc on est recherche peut-être que la viande va pourrir. Donc, en deux mots, Rabbi Ishmael dit, je fais le Korban Pessah le plus tard possible. 8h30. Comme la... Donc je fais le Tamid le plus tard possible et le Korban Pessah après. Mechila. Non. Je fais le Korban Pessah. Ah non, non, c'est ça. Je fais le Korban Pessah à 9h30 donc. Tamid, comme toute l'année, 8h30, Korban Pessah après. Rabbi Akiva, il n'est pas chochesh. Rabbi Shmuel, ça va chachinan le mechmar bisra, et Rabbi Akiva, ça va le chachinan le mechmar bisra. Alors, il y a plusieurs explications. Hein. Ça veut dire quoi, on est chochesh? En deux heures, elle va pourrir la viande. Ma carapo. Ouais. Comprenez la question? Bonne question. Sur ça, il y a deux explications. J'ai trouvé deux explications sympathiques. Première explication, c'est Tosfot. Regardez Tosfot. Plus petit Tosfot, tout en bas, dernier Tosfot, Chachina le Mihmar Bisra, Oil ven adachat keravav doche Shabbat. On n'a pas le droit de laver la viande, de la nettoyer, les intestins, toutes les parties qui sont à l'intérieur de la bête, on n'a pas le droit de la nettoyer pendant Shabbat. Donc c'est Shayar que la viande elle pourrisse. Comme ça il dit Tosfot. Deuxième chose que j'ai trouvé dans le Meiri, il dit qu'il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'on a le droit de dépecer la bête, le Korban Pessah, ou pas, pendant Shabbat? Alors finalement, hein, tu n'as pas besoin de la dépecer pour la manger maintenant, tu vas la manger ce soir. Alors attends ce soir pour la dépecer. Oui, mais j'ai besoin de la dépecer pour enlever les imourim, pour enlever les parties que je vais brûler pendant Shabbat. Ah, d'accord. Donc d'après un avis, tu la dépèces à moitié, comme une banane. Tu dépèces la bête à moitié juste pour enlever les imourim, mais c'est tout. Et donc c'est Shayar que la bête, elle va se réchauffer à cause de ça, de sa peau. D'après celui qui pense que si déjà tu as commencé tu finis, c'est une marque qu'il y a dans le Masechet Shabbat, alors on n'est pas proche. Bézé nechlekou Rabbi Shmuel Rabbi Akiva. Ok. Ilo chayshinan. La Gemara dit, mais si d'après toi Rabbi Akiva on n'est pas proche que la viande elle va pourrir, niavde bechesh ou merza, pourquoi tu ne fais pas à 6h30 tranquille? Au moins tu n'avais pas de la chatz. Kassavar moussafin kodmine basichin, parce qu'il pense, enfin comme on a dit précédemment, que les moussafines, ils sont avant les basichines. Donc, je fais d'abord le korban moussafi, il est 6h. Après, je fais les basichines, j'arrive, il est 7h30, je ne peux pas faire avant. Avileu les moussafines, bechesh ou basichine, becheva, ou vavile les tamid, becheva ou mersa. Ok, ça c'est Shitat Rabbi Akiva. On avait dit le contraire tout à l'heure. On avait dit le contraire, tout à fait. Mais c'était tout à l'heure, on a fait une supposition. On a dit Bemanech les cours, Ishmael Rabbi Akiva d'après Abaye, Bézé. Donc, on a dit que d'après Rabbi Akiva, on fera la basichine avant. D'après Rava, c'est l'inverse. Ah, d'accord. Okay. Donc, je répète pour que ça soit bien clair. On a premier avis Abaye, que d'après Abaye, Rabbi Shmuel pense qu'on fait le tamid à 7h30 et d'après Rabbi Akiva, on fait à 6h30. Alors que d'après Rava, Rabbi Shmuel pense qu'on fait le tamid à 8h30. Alors que d'après Rabbi Akiva, on fait à 7h30. Ok. Troisième avis. Matkifla Rabba Baroula, Mide, Kessidro Bechol, Kassidro Bechabat, Berev à Pessah, Divre Rabbi Shmuel Katane. Est-ce que Birklal, il y a marqué quelque part qu'on parle Erev Pessah? Il y a marqué qui est Sidouro Bechol, Sidouro Bechabat. Rabba Baroula, il dit, on parle de toute l'année. On parle de toute l'année, Birklal. On parle pas de Pessah. Qui a parlé de Pessah ici? Qui est Sidouro Bechol, car Sidouro Bechabat. Car Sidouro Bechabat, Stama Katane. On parle pas de Pessah. Et là, Rabba Baroula, Ri Katane, qui est Sidouro Bechol de Alma. À quelle heure on fait le Tamid en général? 8h30, car Sidour Obé Shabbat, de Alma. À quelle heure on fait le tamid en général, même le Shabbat? 8h30. Rien à voir avec Pessah. Dit Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, non. Que Sidour Obé Rev à Pessah, de Alma. Le Shabbat de toute l'année, on le fait comme Erev Pessah. À quelle heure c'est Erev Pessah? 7h30. Eh bien, alors le Shabbat de toute l'année, c'est 7h30 aussi. Car Sidour Obé Shabbat, de Alma. Mais donc en deux mots, cette marloquée de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva n'a pas parlé de Erev Pessah, Birklal. Elle parle de quoi? Elle parle du Shabbat en général. Donc d'après Rabba Baroula, le Shabbat en général à quel on fait le Tamid Shel Ben Arbaim, d'après Rabbi Shmuel, comme toute l'année, 8h30, d'après Rabbi Akiva, comme Erev Pessah, 7h30.
Maintenant, la Mishnah qui nous parle de Erev Pessah, Ben Bechol, Ben Bechabat, 7h30, c'est pas le sujet. Les deux, ils seront d'accord que c'est 7h30. Madintin Dektane, Ben Bechol, Ben Bechabat, Yura Kol, ça va d'après tout le monde. Bemaï Kamifiges, Kola Marloket, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Pourquoi toute l'année on fait à 8h30 le Tamid Shel Ben Arbaim? Pour laisser le temps de faire tous les korbanot. Nedarim ou Nedavot, tous les particuliers qui amènent leurs korbanot au Bet Hamikdash. Est-ce que le Shabbat, on fait les particuliers? Il n'y a pas. Donc Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, il te dit, le Shabbat, il n'y a pas tout ça. Alors on réduit. On peut le faire avant. Rabbi Shmuel, il dit non. Comme on fait tous les jours, on fait le Shabbat. Bekzerat, Gnevdarim, Nedavot ou Nedarim, comme il fait. Ils sont en marloquette. Donc Zeran, Nedavot ou Nedarim. Rabbi Shmuel, Savar Gazrinan, Shabbat, Atuchol. Rabbi Shmuel, il dit, si tu le fais à 7h30, demain, le Chol, tu vas le faire aussi à 7h30. Donc on fait toujours à 8h30. Rabbi Akiva, Savar, le Gazrinan. Il est au Gazrinan, Yavdene, Bevav ou Merza. Alors, si tu n'es pas Gozer, fais-le à 6h30. C'est le début de la Zrizin Magdimé Mizot. Sois Zariz. Kassavar, Moussafin, Kodun, Bazirin. Encore une fois, lui pense que le Moussaf, il est avant les Bazirin. Donc, le Moussaf, c'est à 6h. Après, j'envoie les Bazirin. Donc, je ne peux pas le faire avant. Moussafin, Bechesh, Bazirin, Becheva, Vavidle, Tamid, Becheva ou Merza. Très bien. Donc, en deux mots, récapitulatif, tranquillement. On a une marloquée de Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Je vous répète les mots de la Braïta. Rabbi Shmuel dit que Siduro Bechol, car Siduro Bechabat. Rabbi Akiva te dit que Siduro Be'erev Pessah, car Siduro Bechabat. Premier avis, que Siduro Bechol, car Siduro Bechabat. Comme tu fais Erev Pessah en semaine, tu fais Erev Pessah quand ça tombe Shabbat, 7h30. Comme la Mishnah. Rabbi Akiva dit non, que Siduro Be'erev Shabbat Shechal, Erev Pessah, 6h30. Ça, c'est Abaye. Marloket Abaye Vera. D'après Abaye, Marloket Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, 7h30, 6h30. Rava, il décale tout d'une heure. Et non. Que Sidoro Bechol, Sidoro Bechabat, à savoir que comme je fais en semaine, en général, je fais le Shabbat. C'est toi, c'est quoi? 8h30. J'ai peur que la viande, elle pourrisse. Et Rabbi Akiva dit non. Comme tu fais Erev Pessah, 7h30. Donc la Mishnah qui dit Ben Bechol, Ben Bechabat, 7h30, c'est Rabbi Akiva. Non, c'est pas l'inverse, mon fils. Tu es gentil. Non, je ne me suis pas trompé. Hein? C'est toi qui n'as pas suivi. Et enfin, on a un troisième avis, c'est Rabba Baroula, qui nous dit que finalement, on ne parle pas du tout de Erev Pessah. D'après Rava, c'est Rabbi Akiva. Ah oui, je me mélange. Je répète, pour ceux qui ne suivent pas. Tu nous suis? D'accord. On a Abaye. D'après Abaye, c'est soit 7h30, soit 6h30. Rabbi Shmuel dit 7h30. Rabbi Akiva dit 6h30. Est-ce qu'on fait les Bazirin avant le Moussaf ou pas? Si on le fait avant, à 6h30, j'ai tout fini. Je peux faire mon Corban Tamid. Si je le fais après, je dois arriver à 7h30. Je n'ai pas le choix. Parce que je fais d'abord le Corban Moussaf, 6h, et après je fais le Bazirin. Donc j'ai plus le temps de faire le Corban Tamid avant 7h30. C'est clair? Zéa Pshat Défi à Baillé. La Mishmael d'après? Rabbi Shmael. 7h30. Parce que la Mishmael te dit Ben Bechol Ben Bechal, 7h30. Rava, il te dit pas du tout, ça te passe à la marloquette. La marloquette, elle est. Est-ce qu'on est rochèche que la viande veut la pourrir ou pas? Si elle est rochèche, on est rochèche que le Shabbat, étant donné que tu n'as pas le droit de dépecer la bête, comme ça on a la première explication du Meiri, tu n'as pas le droit de nettoyer les boyaux, comme ça il dit Tosfot, on est rochèche, peut-être que ça va pourrir. Ça, c'est Rabbi Shmuel. Donc je fais le plus tard possible. C'est quoi le plus tard possible? Je fais mon Corban Tamin Code comme d'habitude, 8h30, et après je fais mon Corban Pessah. Ça va être juste, mais on va être très risible. Rabbi Akiva dit non, on n'est pas rochèche que ça va pourrir. Je fais comme d'habitude. C'est comme tous les rêves Pessah, 7h30. C'est clair? Donc d'après Rava, Rabbi Shmuel dit 8h30. Rabbi Akiva dit 7h30, Shabbat et rêves Pessah. La Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva. Troisième avis, Rabba Baroula, il dit on ne parle pas de rêves Pessah. On parle de Shabbat. Shabbat. Shabbat Bereshit, Shabbat Shemot, Shabbat Vaikra, Shabbat! Shabbat des Alma. Est-ce que le Shabbat, on fait comme toute la semaine ou pas? Toute la semaine, on fait à 8h30. Pourquoi? Pour avoir le temps de faire tous les korbanot des particuliers. Le Shabbat, il n'y en a pas. Rabbi Shmuel dit, on est gozer. De peur que si on fait à 7h30 le Shabbat, alors on va faire aussi en semaine. Rabbi Akiva dit, on n'est pas gozer. Maintenant, notre Mishnah, nous, qui nous dit que Erev Pessah, Shechaliot, Beshabbat, c'est 7h30, ça, c'est le coup d'Alma. Parce que Bémet, là, même Rabbi Shmuel, il sera d'accord. On décale, c'est Erev Pessah. C'est Chad Péal. Bien fait. On continue. Métivé. Tamid Kolashana.
Tu n'es pas avec nous. Metive. Tamid, kolashana kula, karev kilchato. Nishrat beshmone omerza, ve karev etet omerza. C'est facile. Elle te raconte une histoire, la Gemara. C'est pas compliqué. Toi, tu bloques parce que tu es dans Kochim. Tu as les cornes qui ont poussé. Tout est expliqué. C'est ça la particularité du Babli par rapport au Yerushalmi. Vous allez voir le Yerushalmi dans Shkalim, comment il parle, mais à demi-mot. À demi-mot, c'est-à-dire que là, tout est écrit. Tamid kolashana kula. C'est facile, c'est une histoire. Karev kilchato, c'est-à-dire 8h30. Nishrat beshmoneh umertza, karev betet umertza. Uberev apesach, nishrat bezayin umertza, ve karev bechet umertza. C'est clair? Chaliot beshabbat, si erev pesach c'est Shabbat, ke chaliot besheni beshabbat. C'est comme si c'était la semaine, c'est-à-dire 7h30. Divré, Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kessidro, Berev Pessar. Rabbi Akiva, il dit apparemment, comme si c'était Erev Pessar, Erev Shabbat, parce que sinon, si dit Stam Erev Pessar, 7h30, il n'y a pas de marque de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Donc ici, on est dans la configuration où d'après Rabbi Ishmael, c'est à 7h30 le Shabbat, Erev Pessar, et d'après Rabbi Akiva, c'est à 6h30. Ça va bien d'après qui? Abaye. Abaye, bravo. Bish, la malé Abaye, Nihal, Agmaral dit. Ça va bien d'après Abaye, que Rabbi Ishmael dit 7h30, et Rabbi Akiva dit 6h30. Et là, Rava Kashia. D'après Rabbi Rava, que c'est 8h30, 7h30. Kashia, c'est pas ça qui a marqué ici. Nachon? Marlecha Rava, lotema kechal beshine beshabbat. Ne me parle pas de. Ne dis pas qu'on a dit, c'est comme si c'était en semaine. Et là, ima kesheni beshabbat de alma. Comme si c'était en semaine en général. Là, en semaine en général, à quelle heure on fait tamid? En semaine, toute l'année. À quelle heure on fait le tamid? 8h30? Eh ben, allez, c'est pareil. C'est comme ça qu'il a dit Rava. D'après Rabbi Shmuel, c'est 8h30. Et d'après Rabbi Akiva, c'est 7h30. Donc, nous, on croyait que c'était comme si c'était Erev Pessah normal, 7h30. Non, on te dit, c'est comme si c'était normal. La semaine. La semaine, c'est à quelle heure? 8h30? Eh bien, voilà. Erev Pessah, Shechal Beshabbat, 8h30. Comme ça, il a dit Rava. Comme ça, il explique. Regardez, Rachid, qu'est-ce que c'est ce Sheni Beshabbat? Pourquoi tu m'as dit Sheni et pas Shlishi? Vous êtes avec moi dans Rachid. Je suis à peu près au niveau de Agot Advisionim. Besheni Beshabbat, Omer Rachid. Chat Mimot Achol Nakat. On aura. Apparemment, amener un jour de la semaine. Veit d'Amrei, il y en a qui disent Yoma Kama de Shabta de Chazel Arbisar Nakat. On t'a ramené le premier jour de la semaine qui peut tomber Erev Pessah. Yom Rishon, il peut tomber Erev Pessah? Non. Donc on ne l'a pas mis, on a mis Yom Sheni. Vechad be Shabta lo Chazel Arbisar. Le premier jour de la semaine, Yom Rishon, lo Chazel Arbisar, il peut pas être le 14. Pourquoi? De lo Badou Pessah. Lo Badou Pessah. Pessah, il ne peut pas être bête. Dalet et Vav. Donc si Pessar, il peut pas être bête, donc Erev Pessar, il peut pas être Aleph. Vela Miltaï, Rachid et Doché, il dit, c'est pas ça le pshat. Charé, Alpiaréa, Yumakdishin. Nous, aujourd'hui, selon le calendrier de Hillel Azaken, l'Obadou Pessar. Mais à l'époque, j'étais Mekadesh le Chodesh, Alpia Edim. Donc il n'y avait pas de klal. Donc Rachid, il dit, il jette, il dit, non, il y a pas, c'est pas pour ça. Ok, on continue. Ça, je voulais partager avec vous ce petit Rachid sympathique. On continue tranquillement. Sans angoisse. Omer Tagmara. On continue avec la marloquette à Meverava. Metive. Chaliot be Shabbat. Voilà que c'est Shabbat. Erev Pessah, c'est Shabbat. Kessiduro kol hashana kula. Divrei Rabbi Shmuel. Toute l'année, à quelle heure on fait le tamid? 8h30. Et là, c'est Shabbat, on fait 8h30. Comme qui ça va? Rava. Rabbi Akiva Omer, Kessidoro, Bereva Pessah, 7h30. Bish, la Malé Rava Nicha, la Baye Kashia. C'est l'inverse maintenant. Malécha Baye, Abaye répondra. Lotema Kessidoro, Kolashana. Ne dis pas qu'ici on parle que c'est comme toute l'année, à savoir 8h30. Et là, Ima Kessidoro, Kolashanim, Kulan. Dit Rabbi Shmuel. Que c'est comme si c'était une année normale. Une année normale, Erev Pessah, à quelle heure on fait le tamid? 7h30 aussi, c'est là. Pareil. Rabbi Akiva Omer, Kessidoro, Erev Pessah, Shecholiet, Bereva Shabbat. Quand c'est Erev Shabbat, c'est à 6h30. En deux mots, chacun il s'arrange pour comprendre la braïta à sa manière. Tanoura Banan. Minayin, Sheloye, Davar, Kodem, le Tamid, Shel Shachar. D'où est-ce qu'on sait que le matin, il n'y a aucun korban qui vient avant Tamid, Shel Shachar? Il y a une avoda avant le Tamid, Shel Shachar qui s'appelle Trumat Hadeshen. Première avoda. On va, le Kohen il monte sur le Mizbéar, il prend la cendre, il fait Trumat Hadeshen. Mais le premier korban qui est fait, c'est Tamid Shel Shachar.
D'où est-ce qu'on sait? Talmud Omar, Ve'arach alea ha ola. Ve'arach alea. Il mettra sur le misbéar ha ola. Mais c'est ha ola. Mais Talmuda, d'où est-ce qu'on apprend ici que c'est le number one? Amarava ha ola, ola rishona. Le fait qu'il est marqué he, il n'y a pas marqué Ve'arach alea ola. Il est marqué Ve'arach alea ha ola. Le, la ola, avec un grand O, alors ça veut dire que c'est la première. Donc le ola shel shachar, tamid shel shachar, c'est premier korban. Minayin shen davar karev achar tamid shel ben arbaim. D'où est-ce qu'on sait qu'après le tamid shel ben arbaim, en semaine, toute l'année, normalement, il n'y a rien après. Il y a le pesach, il y a le korban pesach. Mais normalement, il n'y a rien après. D'où est-ce qu'on sait? Tamlobar, viktir alea, chel ve'ashlamim. Alors il y a le même pasouk qui nous parle du korban. Le tamid shel boker, shel shachar, est marqué viktir alea chelve ashlamim. Mashma que après le tamid shel shachar, je fais le shlamim. Mais après le tamid shel ben arbaim, je fais plus rien. Mashma que le tamid shel ben arbaim, il ferme la marche. Ma talmuda amar abaye alea shlamim sur le tamid shel shachar, j'ai le shlamim, velo al chaverta shlamim et pas sur son compagnon. Qui est le compagnon du tamid shel shachar? Tamid shel ben arbaim. Après le tamid shel ben arbaim, il n'y a plus rien. Mat kiflarava. Il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce que quand on te parle de shlamim, on ne parle que de shlamim. Donc peut-être qu'après le tamid shel ben arbaim, on ne fait pas de shlamim. Mais peut-être qu'on fera des holot. Peut-être qu'on fera des chataot. On ne parle que de shlamim là. Nachon? Matkiflarava, ima shlamim ou delo nakriv? Peut-être qu'après le tamid shel ben arbaim, on ne peut pas amener de shlamim. Par contre, holot, d'autres holot, miyamar, nakriv. Il n'y a pas de preuve. Aléa, il y a marqué qu'on est makri victir aléa chelvé achelamim. Machma que après le korban shel shachar, j'amène les shlamim. De là, tu veux me prouver qu'après le korban shel ben arbaim, j'amène plus de korbanot? Non, j'amène plus de shlamim. Mais peut-être d'autres korbanot, j'amène. Et là, marava, achelamim, le fait qu'il est marqué victir aléa chelvé achelamim, ça ne vient pas nous apprendre seulement sur les shlamim, mais ça vient nous apprendre milachon achlama. Shalem. C'est-à-dire qu'après le tamid shel ben arbaim, à jour, le jour il est shalem. Le calendrier est fini. Ashlem, ashlamim, alea, ashlem, kolam, korbanot, kolam. Sur le korban shel shachar, tu vas être mashlim, tous les korbanot. Ola, shlamim, khatat, asham, tout ce que tu dois amener aujourd'hui sera amené entre le shachar et le ben arbaim. Après le ben arbaim, ni, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tanu rabanan. Tamid konem le Pessah. Le Tamid, il vient avant le Pessah. Donc, ça veut dire que quand c'est RF Pessah, on fait la avoda normale de toute la journée. On amène le Tamid chez le Ben Arbaim. Et après, exceptionnellement, après le Tamid chez le Ben Arbaim, normalement, c'est lui qui ferme la marche. Là, il y aura le Pessah. Tamid konem le Pessah. Pessah konem la Ketoret. Le Pessah, après, vient la Ketoret. Donc il y a Tamid, Pessah, Ketoret. Et enfin, qui est-ce qui ferme la marche? Mamash, c'est la Menorah. Ketoret, qu'on émette la Menorah. La Nerot. La Nerot. Nerot. Ok, c'est clair? Donc ça, c'est le Seder. Tamid, Pessah, Ketoret, Nerot. Et toute l'année, quand il n'y a pas le Pessah, c'est Tamid, Ketoret, Nerot. Ça ne contredit pas le fait qu'il y a marqué à Shelamim qu'il faut être Mashlim tous les korbanot sur le Tamid, parce que Ketoret et Nerot, ce n'est pas des korbanot. D'où est-ce qu'on apprend que Bémet le Pessah, il passe devant? Comment ça se fait que le Pessah, il va lui fermer la marche des korbanot? Makara Ayom. La Gemara répond. Hein? Il y a un din qui s'appelle Ashlem kol korbanot kulam. C'est une mitzvah tassé. Tu mets Vatel mitzvah tassé, pourquoi? Pour le korban pesach, il faut un pasouk pour faire ça. Omer Tagmara, Yuchar davar shenemar boba erev ou ben arbaim. Sur le korban pesach est marqué deux leshonot de erev. Ba erev et ben arbaim. Par contre, le korban tamid est marqué que ben arbaim. C'est pour ça que quand j'ai deux leshonot de soir, je le fais passer plus tard que quand j'ai un seul lashon de soir. Le tamid shel ben arbaim, j'ai que marqué ben arbaim, il n'y a pas marqué ba erev. Le tamid shel le pesar est marqué bayreb ou ben arbaim, donc il passe après. Et d'abord shelo neemar bo bayreb et là ben arbaim bivan. Yachi, la Gemara dit, alors si c'est comme ça, ketoret venerot nami nigdimu le pesar,
Alors la Ktoret et les Nerot aussi devraient passer avant Pessah. Le Pessah est marqué Be'erev. Mashmah, c'est le plus proche de la nuit. Yehucha, davar shenemar bo Be'erev ou Ben Arbaim. Les davar shenemar bo Ela Ben Arbaim bilvad. Nerot et Ketoret. Shane Atam, la Gemara dit non. Nerot et Ketoret, c'est différent. Des miettes Rachmana, il y a marqué auto. Et sur les Nerot, il y a marqué auto. Et donc, comment il y a marqué auto, Mashmah, que lui, les Nerot, il doit être fait le plus proche de la nuit. Des Tania. Me'erev ad boker. De là, il y a marqué dans le pasouk. Boel moed, mechout la parochet, asher ala edout. Yaroch auto. Aaron, il mettra les Nerot. Ubanav, me'erev ad boker. Du soir au matin. Lifne Hashem, chukat olam, les dorotam. Me'et ben Israël. Me'erev ad boker, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ten la midata, j'étais de l'équette me'erev ad boker. On met assez d'huile. Combien on mettait d'huile dans les Nerot? On en a parlé à Hanouka. Quelle était la quantité qu'il y avait dans les Nerot de la menorah? Chatzilog, il y a fait meod. Kola kavod. Comment? Chatzilog, il y en a qui disent que ça, c'était le maximum pour brûler les plus grandes nuits, celles de Tevet. En été, les nuits sont plus courtes. D'accord? Donc, Chatzilog, c'était le maximum de Tevet. Ou un autre pshat d'Arachi, il dit que Chatzilog, en fait, on peut jouer avec. Si tu mets des grosses mèches, ça va brûler vite. Si tu mets des petites mèches, ça va brûler plus doucement. Donc en Tevet, on mettait des petites mèches et en Tamouz, on mettait des grosses mèches. Davar acher, une autre dracha qu'on apprend. En lecha avoda shekshira me'erev ad boker elazo bilvad. Il n'y a que cette avoda qui shekshira toute la nuit. Toute la nuit, tu peux allumer les nerot. Les maasés, évidemment que les khatrila, on va les allumer avant la nuit. Mais si tu ne les as pas allumés, tu peux allumer toute la nuit. Me'erev ad boker. Maïtama, Marcha, Yaroch, Oto, Aaron, Ubanav, Me'erev, Ad Boker. Oto, Me'erev, Ad Boker, Vendavar, Acher, Me'erev, Ad Boker. Donc le fait qu'il est marqué Oto, c'est un mi-août, c'est seulement les Nerot qu'on fait Me'erev, Ad Boker. Donc en deux mots, dans la chronologie, il est marqué Ben Arbaim. Ok, c'est l'après-midi, Tamid. Le Pessah est marqué aussi Be'erev. Il y a fait, mais là il est marqué Me'erev, Ad Boker, c'est encore plus tard. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que les Nerot, c'est eux qui. C'est avec c'est les Nerot qui feront, qu'on fera en dernier. Après le Pessah et la Ktoret, la Gemara dit vite, cache Ketoret la Nerot. Comme il y a un Ekech entre la Ktoret et les Nerot, si les Nerot c'est le plus tard, alors les Ktoret c'est juste avant. C'est pour ça que le Seder c'est Tamid, Pessah, Ketoret et Nerot. Oui.